I might want to be. Tu restes combien de temps? Gardien Ousmane Mané qui joue avec Vieux Fatih Véron. Véron qui essaie de trouver Siaka Sané très rapide sur le côté droit. Siaka Sané vis-à-vis devant le numéro 5. Siaka Sané directement dans les bras du gardien Moussa, le casse-pour qui attaque avec Siaka Sané très vite sur le côté droit. Effectivement, Siaka de fait kiff. Hein? Parce que tout le monde est en football. Donc, nous avons fait un peu de temps. Le vieux groupe, nous sommes en train l'entraîneur là, Dougal Nogofi. Et depuis qu'il est là, ce Coupe du Sénégal, il a fait un match de goal but et il est venu. Donc ça veut dire que quelque part aussi, il y a une place de l'équipe et c'est important. C'est important. Si on a dit qu'il y a deux ans, il y a un joueur côté excentré. Et il y a des gens qui sont venus à Bardassar. Il y a des gens qui sont venus à la côté droit. Comme ça, nous avons aussi quelques changements du côté de l'Union Sportive de Gorée. Comme le gardien Nias. Ibrahim Agnès, qui était souvent titulaire, est retrouvé aujourd'hui sur le banc au détriment de Lamine Sarr, le gardien des U23 du Sénégal. On note aussi l'absence de Omar Ngalandoy au détriment de Tafa Diouf. C'est un changement à côté de Gorétem aussi. Ballon Djingali, la Sana, oh, heureusement. Ballon Goré, Diouf qui joue pour Ousmane Beng. Ousmane qui retourne à Diouf, qui dégage. À l'emporte-pièce, les Goréens se dégagent à l'emporte-pièce. Ballon dans le camp Casasport, Ousmane Diouf qui s'interpose. Ballon toujours Goréen avec Hassan Baye. Hassan Baye, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche, il trouve le numéro 13, Jean-Rémy Bokandé. Pour le numéro 7, Ousmane Beng. Ousmane Beng qui joue, Cheikh Coly à droite, qui crochette, tacle de Vérone. Ballon toujours Goré avec Hassan Baye. Hassan Baye qui introduit. Belle phase de jeu des Coréens, récupération, Casasport. Gando, qu'est-ce qu'il va faire? Put, crochet, double contact, malheureusement il perd le ballon. Ballon retrouvé par Diouf, ballon Goré, toujours Goré. Tafa Diouf,
qui joue pour Mbaye. Mbaye qui remet à Bokande. Heureusement, ballon récupéré par les Goréens avec Hassan Mbaye. Hassan Mbaye, qu'est-ce qu'il va faire? Il retourne en arrière pour Tafadjou Ousmane. Oui, Moussa, 7 minutes de jeu, toujours Zerbi partout. On note la présence des insulaires dans la moitié de terrain du CAS Sport. Faute pour l'équipe du CAS Sport. Aliye Diatta qui joue très rapidement avec Ousmane Diouf. Ousmane qui essaie de trouver un partenaire qui remonte la balle. Ousmane qui retourne en arrière pour jouer avec son gardien Ousmane Mané. Ousmane pour Pierre Zalé. Terry qui remonte la balle. Terry, son deuxième match comme titulaire. Premier en championnat. Terry qui était un ancien de Gorée. Il n'avait joué que 15 minutes la saison dernière. Ballon pour Babacar Seck, l'ancien de Djeraf. Récupéré par Vieux Fatih. Qui essaie de trouver Abdoussedi. Hors jeu. Est-ce qu'il y avait hors jeu, Moussa? Ouais, bon, en fait, l'arbitre est le maître du terrain, Ousmane. Il a déjà sifflé. Il est beaucoup plus, voilà, proche de l'action. Plus proche de nous que de l'action que nous qui sommes dans les turbines. De toute façon, Orgel, nañ défar waat rek, Tabaxat mu nat jëm ci kanam. Oui. Lamine Sarr qui va dégager. Lamine. Dégagement de Lamine Sarr. Tête de Ousmane Diouf dans l'entrée, récupéré par le numéro 3, Alassane Mbaye. Ba pour Mortal Nguer qui retourne en arrière pour Djaxam pour Cheikh Omar Kone. Relance de Corée pour essayer de trouver Mortal Nguer, tête de Vieux Fatih Véron, récupéré par Bier Bonamanga dans l'arrière du CAS Sport qui joue pour Vieux Fatih, qui se joue avec Siaka Sané qui retourne en arrière pour trouver Véron. Relance de Véron pour Djingali, récupéré par la défense des insulaires, tête de Diouf, récupéré par Pierre Benoît. Attention, Mortal Nguer, oh là là, mauvais contrôle de Mortal Nguer, très dangereux, Mortal Nguer. Qui récupère le ballon, Mortal Nguer qui, à l'entrée de la semaine de passion du CAS Sport. Premier sortie de but. Bonne défense de Vieux Fatih. Il a fait le ballon. Donc ça veut dire que quelque part, il y a deux entraîneurs qui ont joué dans Viva City, dans le couloir. Badara Sarr, match allé, il y a eu un match. Peut-être que nous allons sortir du match, ce que vous savez, c'est la position. Ici, si vous regardez sur ma latéral, c'est Omar Ngalandoy. Quand on l'a mis avec Moro dans le couloir, il a eu des problèmes. Aujourd'hui, vous voyez ça sur la feuille de match. Ça veut dire que quelque part, peut-être il est en baisse de régime, mais l'entraîneur, le fait qu'il n'y a pas de aussi, il va arranger parce que ce que vous savez, c'est qu'il l'a mis. Il est en ballon CAS Sport, Siaka qui fait le centre, qui va récupérer Gandoba. Gando, qu'est-ce qu'il va faire? Oh... Ballon toujours Aliye Diatta, Aliye pour Gando. Ñaari gaucher ñu koy joxalante. Aliye genné ko jox Mankabu Bonaventure. Da koy redd. Dedet. Joxon ko ci ginaaw. Zalé jox Ousmane Mané. Ousmane mi ngi jeu Ousmane Diouf. Waaw. Ballon toujours CAS Sport dans on est dans la défense quand même. Tabaxat défarat ci la bok. Véron. Ballon récupéré par Véron, gain de touche. Sax ya ngi wax ci mbirum Véron ba nañ ko andi lateral droit ginaaw dafa oyof mais bo xolé Véron tamit ya gëna jouer lateral. Exactement. Championnat des joueurs milieu récupérateur du jeu national lolu le jeu ici soukou papa durant toutes les phases nationales à la AS Real bu mu ciosano possible le football jeune espoir jeune numéro 6 jeune latéral jeune libéro donc c'est quelqu'un qui connaît tout le secteur défensif je crois que amul problème d'adaptation par rapport à la position buñ ko monté tek ci équipe bi. Ça premier corner de la partie à la 11e minute obtenu par les insulaires. Corner pour les insulaires de Gorée. À la 11e minute ici au stade Alistair Diatta, Moussa. Effectivement Ousmane, nous voyons le corner avec Mortal Nguer. Jean-Rémy Bokandé. Jean-Rémy. Corner joué à la Rémoise par Mortal Nguer. Mortal Nguer qui joue pour Bokandé. Centre Bokandé. Dégagement de... Récupère par Djingali qui essaie de trouver... Siaka Sané, très rapide. Siaka. Daydem o daanu na ñak nako parce que nak aussi marquage mom mo metti vitesse de précipitation ben contre juroomi nit mënul won def leneen luddul lolu jëlat na bal bi ñakat nako qui obtient la faute Siaka qui obtient la faute du côté de couvert il y a une belle animation de Ali Kaza qui est en train d'animer une section qui est venue de Dakar aussi Ousmane ils étaient là depuis hier à l'occasion de la finale dont ils ont été les parrains.
finale remportée par l'AS Diego face à l'AS Yamatogne. Donc ñom ñi ngi fi won depuis dembu donc tay ji ñu ñew fété li stade bi lu rafet la lu rafet la gis né dego tok na lu yag jëlul coupe waaw tok na 2008 la gëna jël coupe 11 ans jëlul coupe donc ren daaw mu jël coupe bi ak ay xalé ndaw aussi xamné rek fo xalé koy def Ousmane xalé ñoo mag ren waaw on retourne ici au stade Aliou Sadiata pour parler de la 14e journée entre le CASPOR et Sporting Goré ballon pour Diouf qui essaie de trouver Mbeng qui était parti au Maroc et est revenu au Sénégal pour se relancer. Touche obtenue par les insulaires. Je parle Mortal en guerre. Très dangereux ce petit. Mortal en guerre. Centre de contre par Gandoba. Centre de Tafa Diouf contre par Gandoba. Voilà pour Meng. Tafa Diouf, centre de Tafa Diouf. Directement dans les bras du gardien Ousmane Mané. Un très bon gardien. Qui a été nommé le meilleur gardien, meilleur joueur du mois de janvier, voté par les supporters du CASPOR. Dégagement d'Ousmane Mané. Mauvais dégagement d'Ousmane Mané qui sort en touche. Ballon récupéré par Tafa Diouf, latéral de Zinsulaire qui joue avec Ousmane Beng. Ousmane Beng. Effectivement, Ousmane Beng qui joue pour le Ndaw Diop. Pour Boubacar Seck qui essaie de trouver Jean-Rémy Bokandé, l'ancien de la Gendarmerie de Dakar et de Dakar Université Club. Jean-Rémy Bokandé qui temporise pour trouver. Ah, hors-jeu, l'arbitre hors-jeu. Mais il n'y avait pas hors-jeu. Mais comme que l'arbitre est le maître du terrain, on ne fait qu'accepter. Ousmane, Bayal Dité qui va au arbitre, hors-jeu le. Mais ça, foutons les gens qui ont une action dangereuse. Mais il faut que les deux équipes ne soient pas les mêmes. Parce que les deux entraîneurs ne sont pas les mêmes. Ils 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 ne sont pas Ballon pour Omar Cissé qui joue pour Jean-Rémy Bokandé qui est en arrière avec Tafa Diouf qui essaie de trouver Mbeng. Non, un mauvais dégagement. La balle qui sort en touche. Ballon pour Aliye récupéré par Ndaw Diouf. Ndaw pour Jean-Rémy Bokandé pour Alassane Baye. Qui joue avec Boubacar Seck pour Mortal en guerre. Boubacar Seck, Jean-Rémy Bokandé dans la moitié de terrain du CASPOR. Jean-Rémy Bokandé qui s'est trouvé Ousmane Beng. Non. Très mal joué. Ousmane, Ousmane se débarrasse du ballon le plus rapidement possible. Ousmane. Oui, Moussa, tu as parfaitement raison. D'ailleurs, il y a un joueur qui a été cassé. Pour Ousmane Mané, il a dégagé le ballon. Pourquoi dégager une défense bougeole? Il faut récupérer. Ballon récupéré par Bonaventure Mankabo dans le jeu. Qui essaie de trouver un partenaire. Qui joue avec Abou Seydi qui accélère. Abou Seydi qui joue pour Gando. Mauvais contrôle de Gando. Le Bonaventure Mankabo. Toujours pour les insulaires. Ah, touche de nouveau. Maintenant, il comprend. Il y a un jeu poste. Poste attaquant de pointe. Gando pour Djingali. Djingali, pas pour longtemps, récupéré par le numéro 3, Hassan Bay. Voilà pour Ndiaw Diop, qui joue pour Mortal en guerre. Bien joué, vieux Fatih. C'est une touche pour le CASPOR. Nous jouons pratiquement 17 minutes de jeu ici au stade. Aliste Diata est toujours 0 buts partout entre le CASPOR et l'Union Sportive de Goré Moussa Ndaw. 0-0 légui Moussa fofu lañ tollu waaw 0-0 ba légui équipe bi ñi ngi wuré ku nekk yaangi xol noy naxé sa morom ce sera pas un match très facile hein? Un match fermé lay doon et ça se vérifie depuis le début du match ken mayul sa morom dara donc on va essayer de voir la lañ dem Aliye Diata mi ngek bal bi Aliye delu ko ginaaw pour Bonaventure West qui joue sur Vieux Fatih qui demande de l'aide. Il y a Ousmane qui se signale.
Ousmane Diouf, mu jox Siaka, Siaka qui décroche pour venir chercher le ballon. Balle transversale, malheureusement c'est court, récupéré par Tafa Diouf qui joue avec son gardien. Ousmane qui jaillit. Ousmane qui donne un coup de genou à Morta. Abdoulaye Diakham. Abdoulaye Diakham. Qui joue pour Jean-Rémy Bokandé. Jean-Rémy Bokandé. Jean-Rémy Bokandé. Pour Babacar Seck. Babacar Seck qui joue pour Omar Cissé. Omar Cissé. Récupéré par Véfati. Très rapidement joué par Siaka pour Berbona Manga. Berbona Manga pour Abdoussédi. L'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien. Mortalanger, Mortalanger. Contré par la défense de Casper. Dégagement de Aliye Diatta. Dégagement de Aliye Diatta. Faute. Faute dit l'arbitre. Faute dit l'arbitre. Faute dit l'arbitre. 25 mètres début de garde par Ousmane Mané. Moussa, franc pour dangereux. Pourquoi dangereux, Moussa? Ouais, vous faites qu'il y a Lionel Messi, ça ne pose pas. Ouais, n'a pas au titre quoi. Mais Babacar Seck, c'est un bon frappeur quand même. Mortal a été un bon frappeur. Bon, Ousmane est dans les buts, moi je n'ai rien à craindre. De toute façon, si vous avez des gens qui ont fait des choses, vous avez fait des choses. Mais c'est vrai que c'est un coup franc assez dangereux quand même. C'est assez dangereux. Et c'est un tir ouvert pour un droitier, mais un gaucher aussi peut le faire. Donc attendons de voir ce qui va se passer. Ballon pour les Goréens. On a trois personnes autour du ballon. Il y a Ndiaw Diop, il y a Jean-Rémy Bokandé et il y a Moustapha Diouf. Donc il y a trois joueurs. Ndiaw Diop, il y a Tafa Diouf et il y a Jean-Rémy Bokandé. On va voir qui va le faire. C'est Moustapha, c'est Tafa Diouf qui prend son élan. Ndiaw Diop aussi. Ousmane place son mur et bouge d'un cran. Laisse la place. Ballon Tafa Diouf dévié par le mur. Corner pour l'IS Gorée. Ballon pour les Goréens. Corner que va tirer Jean-Rémy Bokandé qui demande à ses joueurs de se positionner au deuxième poteau. Se positionner au deuxième poteau. Corner pour les Goréens. Jean-Rémy Bokandé. Ousmane replace sa défense. Ballon est parti. Tête de la défense de Kada Sport. Ballon récupéré par Gandoba. Gando, qu'est-ce qu'il va faire? Qui donne à capitaine Benoît qui trouve Siaka dans le couloir. Marqué par Koné, Siaka, qui fait un bon centre. Bonne défense goréenne avec le libéro, Abdoulaye Diakham. Ballon Aliye Diatta pour la touche pour le Kada Sport. Alia qui prend son élan, Aliye Diatta, touche dans la surface. Touche toujours pour le Kada Sport. Aliye Diatta. Longue touche. Ballon dans la défense, dégagé par Ndiaw Diop. Véronne. Qui se monte à l'enguerre. Heureusement qu'Ousmane est là. Ousmane couvre et joue pour Ousmane Mané. Ousmane Mané qui joue pour Ousmane Diouf. Qui joue pour Pierre Benoît. Pierre Benoît pour Véronne Fati. Véronne pour revient pour Pierre Benoît. Qui trouve Lassana Djingali. Qu'est-ce qu'il va faire? Il joue avec West. West. Mankabou pour Véronne Fati. Qui va prendre le couloir. Il prend le couloir. Personne n'est au marquage. Il donne à Siaka. Ah, Siaka, mauvaise passe. Ballon récupéré par l'US Goré. Jean-Rémy Bokandé. Qui joue sur Aliou, qui est en hors-jeu. Il est en hors-jeu, le numéro 10, Omar Cissé. Omar Cissé est en position d'hors-jeu. Ballon Pierre Benoît pour Mankabou. Mankabou qui joue avec Lansana Djingali. Lansana pour Zalé. Zalé Aliou Diatta. Aliou Diatta, Zalé encore. Qui va jouer avec sa défense ou bien il va faire. Qui cherche toujours Gandoba. Gando, pris en tenaille par deux Goréens. Gandoba, oh, qu'est-ce qu'il va faire?
pour Alia, pour Pierre Benoît, mauvais contrôle, ballon, récupération, Véron Fati, pour Pierre Benoît, Gandoba, qui se complique la tâche, Ousmane est là. Siaka, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en enjeu. Ballon pour Lamine Sarr. Lamine Sarr qui joue pour Koné. Cheikh Okoné. Koné. Tête récupéré par Bono. L'arbitre, faut dire côté. Il s'agit de Mortal Enger. Ousmane Badara n'est pas content de ce joueur. Effectivement. Je sais que je le suis dit. Je suis dit que mais bientôt. Pour Diouf. Diouf pour Mortal Enger pour Tafa Diouf. Tafa pour Ousmane Beng. Ousmane qui retourne pour Koné. Koné. Pour Abdoulaye Diakham. Diakham. Qui joue Ousmane Beng. Beng. Pour Jarim Bokande. Il n'y a pas de guide. Heureusement, Ousmane Mané qui récupère tranquillement la balle. Souvent qui récupère tranquillement la balle et qui va jouer avec son latéral droit. Il s'agit de Vieux Fati qui s'est trouvé Siak, c'est le côté droit. Très rapidement sur le côté droit. Centre Siak. Mal négocié. Directement dans les bras de Lamine Sarr. L'ancien de Dakar Sacré-Cœur de Mourpetit-Côte. Qui a déposé ses baluchons. Alias Goré. Tête de Bonaventure Mankabou qui retrouve Pierre Benoît. Pierre Benoît, pas pour longtemps. Touche pour le Casport. Avec Aliye Diatta qui va jouer la touche. Nous sommes à la 26e minute, hein. Il n'y a pas encore de but. Depuis quelques temps, on constate que le Casport essaie de maîtriser son jeu. Mais il y a beaucoup de maladresse. Ousmane Beng, à l'entrée de la super réponse du Casport. Ousmane Beng, récupéré par Bonaventure Mankabou, intelligemment, hein, qui joue avec Aliye Diatta. Aliye, pour Pierre Benoît, sort très bien la balle. Aliye Diatta, ballon bien sorti. Par Gandoba. Oh! Mortal Enger, il est très bon. Mortal Enger, à l'intérieur de la sécurité, frappe de Mortal Enger, juste à côté. C'est contré. Deuxième corner pour les insulaires. C'était mobile. Corner pour les Goréens. Que va jouer le numéro 7, Ousmane Beng. Corner rentrant, dégagé par Ousmane Diouf. Ballon Goré avec Moustapha Diouf. Oh, mauvais passe. Aliye Diatta pour Abdou Seydi, qui ne peut pas se saisir du ballon. Ballon Beng. Abdou s'interpose. Gabarit bi du ben, Rémi Bokande pour Moustapha Diouf. Beng, Rémi Bokande, qu'est-ce qu'il va faire? Encore un Beng. Heureusement que le pied d'Abdou traînait dans les parages. Ballon Casa Sport. Aliou Diatta ou bien Aliye Diatta, comme nous l'avons dit. Aliye qui cherche Abdou Seydi. Laisse couler. Dierna. Ballon Abdou. Bataille. Abdou a le ballon. Au marquage, il y a Koné. Abdou qui trouve Djingali. Qui trouve capitaine Pierre Benoît. Oh. Passe-bi da gat. Bien joué, Véron Fati. Siaka, un très bon match. Comme d'habitude, c'est un bon défenseur, Véron. Mankabou Ousmane. Ousmane pour Ousmane Mané, l'autre. Qui joue avec Zalé, Terry. Terry qui va remonter le ballon. Qui va vers la ligne médiane, qui donne la passe à Gandoba. Gando pour Mankabou. Mankabou pour Aliye Diatta. Oh. Ballon John Terry, balle qui gagne la touche. Ousmane. Depuis le début match, je ne bouge pas. Effectivement. Nous gérons ce match. Mbeng, qui est le frappe? Mbeng, directement dans les bras du gardien. Qui temporise Ousmane Mané. Ousmane Mané, qui joue pour John Terry. Pierre Zalé. Qui joue à Gando. Pour Aliye Diatta. Zalé.
qui s'est trouvé un partenaire, le plus joué pour Aliou Diatta. Mauvais centre d'Aliou Diatta. Mauvais centre d'Aliou Diatta. Vous n'avez pas raconté à nous, Balégui. Le match qui se reprend avec Sarr. Sarr qui joue pour Abdoulaye Diakham. Abdoulaye Diakham qui retourne avec Sarr. Sarr. Dégagement de Sarr. Mauvais dégagement de Sarr. Veron va reprendre le jeu. Vie Fatih Veron. Qui essaie de trouver un partenaire. Joue pour Siaka Sané. Siaka Sané. Qui touche beaucoup de ballons aujourd'hui. Siaka. Siaka qui perd la balle. Ballon pour Ndiaw Diop. Faute de Aliou Diatta sur Ousmane Beng. Faute pour les Ndiaw Diop qui joue pour Tafa Diouf. Pour Ousmane Beng. Non. Très mal joué. Ça joue du côté de Kasper avec Benoît Mankabou qui retourne en arrière pour trouver Ousmane Diouf. Ousmane Diouf pour Veron Fati, Vie Fati, Père Benoît Manga. Dégagement de Vie Fati pour essayer de trouver Abdou Seydi. Tête de Abdoulaye Diakham récupéré par Ousmane Beng. Ousmane Beng pour Ndiaw Diop. Père Bokandé. Bokandé pour Tafa Diouf. Tafa Diouf récupéré par Aliou Diatta. Mamadou Gandoba. Qui essaie de trouver un partenaire qui joue avec Aliou Diatta. Aliou pour. Mal jeu. Moussa, c'est une dernière tiers pour moi. Oh, Badara n'est pas content, Ousmane. Ces attaquants ont du mal à se retrouver dans la zone de l'US Gore. C'est comme si vous n'y petite zone, vous n'y rire. Bon, mais il y a comme tu l'as quoi. Tu crois que Sunti et tout, avec mon équipe, dégagement Gore avec Lamine Sarr, ballon Aliou Diatta. Est-ce que des gens du Guinée, Gandoba, Guinée ne retouche? Ah non, entre Arbibinena, Gore et Moro Guinée. Man qui joue en arrière pour Zalé. John Terry, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend le couloir, il s'en va, il dépasse la médiane. Voilà, il trouve Abdou Seydi qui trouve Siaka. Est-ce que Dinoko Diot? Oh! Balbi Guinée. Attention, Djingali, à l'intérieur, c'est pas de pression, Djingali, qui frappe! Oui, c'est le maître du score! Le maître du score pour Djingali! À la 33e minute pour Sandow! C'est une perte de balle de la défense de l'US Gore. Djingali reçoit la balle, s'enfonce dans la surface et arme avec son pied gauche pour marquer le premier but à la 33e minute. Un but qui vient au moment où c'est Gore qui tenait le jeu, Ousmane. Oui, Moussa, effectivement, au moment où Gore tenait le jeu, c'est une perte de balle du défenseur Koné. Abdou Seydi joue très rapidement avec Djingali à l'entrée de la surface de réparation. Une belle frappe de Djingali du pied gauche et qui permet au Kasper de mener ici au Stade Aliou Diatta 1-0 contre l'Union Sportive Gore. Moussa, comme nous le voyons, Gore vous donne football. Abdou Seydi, que football c'est le défenseur Koné. Joue rapidement Djingali. Première action dangereuse de Kasper, mon lac a Moussa. Ouais, mon gars, mais ça nous action dangereuse, hein, parce que défenseur perd le balbi. Opportunisme de la Kasper exploité. Fi dans le double bibi, le moment football, hein. Moment bien quoi, amul. Ngai har, ngai amko. Donc il faut refaire quelque chose. Maintenant, tu vois, les Goréens vont reculer. Ils vont douter, ils vont reculer. Le Kasper va gérer le reste de la mi-temps pour pouvoir aller aux oranges avec un écart d'un ou de deux buts, Ousmane. Effectivement, ça a vraiment été le plus difficile Kasper de finir quoi. Parce que Kasper football ni. Sentir une sans mal donné cette dernière tiers, ça a pêché. Mais si maintenant, action avec Abdou Seydi, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Et espérons que le cas va gérer le score. Comme à l'aller, Moussa, à l'aller, 32e minute, le cas de Golon, Gore égalisé à 37e minute. Mais j'espère que 1-0 bien géré. Arbitre, que dit l'arbitre? Faute sur Abdou Seydi. Tafa Diouf mérite d'être averti sur l'action. Tafa Diouf mérite d'être averti. Si au stade Aliou Diatta, toujours 1-0 pour le Kasper. Abdou Seydi qui reste à terre. Et le médecin du Kasper, Souleymane Diatta, le kiné du Kasper qui est à tarif aux soins. Coup franc de Gandoba.
qui joue avec Mankabo, Mankabo, Gando, Gando, qui joue avec Ali Diata, Ali Diata, Ali Diata, centre Ali Diata, au deuxième poteau, directement dans les bras du gardien Lamine Sarr. Directement dans les bras du gardien Lamine Sarr. Lamine Sarr qui joue pour son défenseur. Koné. Faute de Mbeng sur Koné. C'est Ali. Discrimination positive là, il donne. Ballon John Terry qui pose le ballon coup franc pour le Casasport dans sa propre zone. John qui demande aux joueurs de prendre le couloir. Essaye de trouver Abdou Seydi. Ballon dégagé par Koné. Abdou qui récupère, qui donne à Alia. Alia, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue avec Gando pour Aliou Diata. Heureusement. Je fais les manas, la balle amoul air. Balbi khalé nirol. Balbi khalé nirol, balbi amoul air, ba paré boko doré poko lay def. Kaza Lassana Djingali, qui contrôle Lassana. Arbitre néna ko dara dara da nga jaxan. Nga baye teud bi fi du lal ballon Jean-Rémy Bokandé pour l'US Goré. Jean-Rémy Bonaventure au marquage qui donne à Mbeng qui retourne dans sa défense avec Abdoulaye Diaham. Abdoulaye qui remonte ce ballon. Babacar djel le couloir. Abdoulaye, avec qui il va jouer? Essaye de trouver Cissé. Coup de tête vieux Fatih Di Véron. Ils sont bien en place. Attention, Mortal Enguer, bien joué. Ah, Kachor. Ousmane Beng, frappe. Sorti de Ousmane Mané. Quelle frappe de Ousmane Beng. Sorti par Ousmane Mané avec son pied droit. C'est pas fini. Ndiaw Diop. Dégagement de Ali Diata. C'était dangereux dans la surface de la partie du Casper. On est là comme Mortal Enguer, Kachor. Je ne sais pas, Bobé, il est venu à la fin. Avec personne ne sait où le ballon Beng pour Goré, Beng qui joue sur Babacar Sek. C'est l'égalisation. Arbitre n'a pas but. C'est l'égalisation des insulaires du Goré. But de Omar Cissé. Égalisation pour Omar Cissé à la 39e minute ici au stade Aliou Diata. C'est une erreur de la défense et du gardien Ousmane Mané. Les insulaires ont rendu les pendus à de la tête pour que Omar Cissé puisse reprendre le ballon. Siaka n'a pas été au marquage du tout depuis le début de l'action, Omar. Et même, il y a Ousmane qui lui faisait ses reproches, Ousmane. Oui, il y a Ousmane qui lui faisait ses reproches. Nous avons dit quoi? C'est Alebi. Kaza de Fodougal, Djeliko avant mi-temps. C'est Gisnagnou. C'est Gore. Faire un peu égaliser, c'est pas encore fini. À l'intérieur de la disparition de la Casasport, Jean-Rémy Bokandé, touche pour le Casasport, touche pour les insulaires. Moussa, tu as l'air non le bon, Casasport Dougal, concentré, nous allons égaliser. Faites un non le Mortal Enguer, Ousmane Beng, centre Ousmane Beng, tête de Bonaventure Mankabo, touche pour le Casasport. Touche pour le Casasport. Ça va sortir. Faute sur Djingali. Faute sur l'ancien de Djingali. Franck pour Gandoba. Qui joue avec Ali Diata. Ali qui joue pour Ousmane Diouf. Ousmane qui essaie de remonter la balle. Ousmane Diouf. Pour vieux Fatih Véron. Véron qui ne trouve personne. Qui retourne en arrière pour Ousmane Diouf. Ousmane pour Pierre Zalé. Pierre. Qui se trouve Abdou Seydi. Non, tête de Koné. Dégagement de Tafa Diouf. Abdou Seydi qui joue pour Siaka. Siaka. Juste à côté. De valider le but. Pour les insulaires, Bokandé qui joue pour Meng, qui joue pour Mbaye, récupéré par Ali Diata, pour Pierre Bonamanga, pour Abissé, qui joue pour Bonamangabou, qui joue sur le côté droit avec Fatih Véron.
Je vais faire pour Siaka. Mauvais contrôle de Siaka Sane. Mauvais contrôle de Mansa Diata à Kara Diensor qui donne 3 minutes de temps additionnel ici au stade Aliste Diata. Et toujours 0 but, toujours 1 but partout. Ouverture du score à la 35e minute pour Casport. 4 minutes plus tard, à la 39e minute, égalisation de Omar Cissé, l'attaquant de l'Union Sportive Gorée. Un but partout ici au stade Aliste Diata entre le Casport et l'Union Sportive Goréenne. Oui. Ali Diata qui joue pour Gando. Mauvais contrôle de Gando, la balle qui sort en touche. Un but partout entre l'Union Sportive de Gorée. Bon, pour Jean-Rémy Bokandé. Jean-Rémy Bokandé qui essaie de trouver Mortal en guerre. Pas pour l'entrée, qui va pour Ousmane Diouf. Ousmane Diouf, corner. Corner. Jean-Rémy Bokandé qui va jouer le corner. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Jean-Rémy Bokandé, tête de Bonaventure Mankabou. Pas pour l'entrée, trouvé par les insulaires. Directement dans les bras du gardien Ousmane Mané. Qui essaie de jouer très rapidement avec Siaka Sané. Mais Koné qui anticipe. Koné qui anticipe. Oh! Siaka Sané qui n'a pas bien suivi. Siaka Koné. Faute sur Mortal Anguerre. Ici, Ossar Aliste Diata. Bonaventure Mankabou qui vient d'être averti par l'arbitre. La fin de cette première période, je rappelle que Casport a 1, Gorée également 1. Bonaventure, Pierre Benoît, va revenir. Veron. Abdoulaye Diakham qui joue pour Lamine Sarr. Lamine Sarr qui contrôle la balle. Lamine Sarr. Tête de Ali Diata pour Gando. C'est la mi-temps ici au stade Aliste Diata, un but partout entre le Casport et l'Union Sportive Gorée. L'utilisation des insulaires par l'intermédiaire de Omar Cissé Moussa Ndao. Effectivement, Ousmane, nous sommes aux oranges et les deux équipes se sont quittées 12 à 2. Un but partout, premier but du Casport par Alassane Djingali, égalisation de Gorée par Ousmane Cissé. Mais tout ce que l'on peut retenir, c'est que quand même le Casa n'a pas produit le jeu escompté. Peut-être que cela est dû au changement, aux nombreux changements, mais quand même, ce n'est pas une excuse. Parce que ce changement a eu lieu lors de la Coupe du Sénégal et l'équipe avait marqué 3 buts avec un jeu alléchant. C'est à l'entraîneur de le faire pour pouvoir aborder la seconde période avec beaucoup plus de sérénité et aussi de technicité parce que l'équipe n'a pas produit du jeu, Ousmane. Exactement. L'équipe n'a pas produit du jeu, mais j'espère que Aliste Diata pour la seconde période. Seconde période entre les insulaires de l'Union Sportive de Gorée. Les visiteurs qui aussi au stade contre le Casport. Et c'est reparti pour les 45 dernières minutes pour le Casport. Ali Diata qui s'est retrouvé abusé de profondeur. Touche pour le Casport. C'est le défenseur Diakham. Il dégage en touche. Moussa Ndao. Ici au stade Aliste Diata pour la seconde période entre le Casport. Toujours un but partout entre les deux équipes. Touche de Ali Diata qui s'est retrouvé abusé. Tête de Koné, dégagement d'Ousmane Beng. Ousmane Beng, tête d'Ousmane Diouf. Ousmane Beng, Omar Cissé. Omar Cissé, pour Jean-Rémy Bokandé. Sur le côté de Jean-Rémy Bokandé. Centre Jean-Rémy Bokandé, contré par Ali Diata, récupéré par Bonaventure Mankabou. Mankabou qui joue pour Ali Diata. Mouille passe de Bonaventure Mankabou, récupéré par Jean-Rémy Bokandé. Centre, tête d'Ousmane Diouf, récupéré par Lansana Djingali. Lansana Djingali, qui est en arrière pour trouver Veron. Vieux Fatih. Veron qui perd la balle. Veron. Rajo Motalanger pour Omar Cissé. Omar qui perd la balle. Récupéré par Veron. Pour Ousmane Diouf. Ousmane Diouf qui va remonter tranquillement la balle. Qui joue pour son coéquipier en défense. Il s'agit de Pierre Zalé. Pierre, il n'y a personne. Pour personne. C'est trop pour Abou Seydi, Moussa Ndao. C'est reparti depuis une minute du jeu. Un but partout entre le Casport et l'Union Sportive de Gorée. Effectivement, Ousmane, nous avons de retour au stade Aliste Diata.
di jonganté bu dox digënté Goré ak Gazaspor ak Union Sud Coréenne muy ñeñ fuka ñentelu bëc ci championnat Ligue 1 ni tambalat nañ mais dafa melni que niñu tambalé won match xaj bu ñëk bi lañ tambalé ñaarël xaj bu Goré mom moy tek empreintam ci kaw match bi pour le moment ba amna coup franc bo xamné bi ci bir zone Gazaspor la donc ya naane entraîneur du yag légui mu def ay changement parce que c'est équipement neexul ba neexul mais l'équipe n'est pas encore en place. Effectivement, l'équipe n'est pas encore en place. Nous avons démarré la deuxième partie. Mais nous avons eu un changement. Faute. Tu vas être joué par le milieu de terrain, Ndiaw Diop, qui est en train de faire un bon match dans l'entrejeu. Des insulaires. Tire Ndiaw Diop au-dessus des cases gardées par Ousmane Mané. Le gardien de casse pour le meilleur joueur du mois de janvier. Attention! Moi, pas de mal! Récupéré par Véron Fati. Véron Fati. Faute. L'arbitre ne dit rien. Danger dans la semaine de passe casse pour. Non, récupéré par Ali Yata. Gando qui s'est trouvé Père Benoît contré par Conné. C'est une touche pour le cas pour partir à l'échauffement. Allié pour Abusseri, contrôle de la poitrine. Abusseri qui joue pour Père Benoît Manga. Abusseri pour Gando. Sandra Gandoba, tête de Djaham. Djaham pour Ali Diata. Touche au profit du Casport. Ali Yara qui va essayer de trouver un partenaire. Qui joue très bien à Abusseri. Abusseri qui contrôle la balle. Abdou qui joue pour Ali Diata. Pour Gandoba. Abusseri à l'intérieur de la passe du Casport. Abusseri qui croise. Qui joue avec Ali Diata. Sandre Ali Diata. Premier ballon à l'intérieur de la passe du Casport. Premier ballon à Siaka. Siaka Sané. Dégagé par Ndiaw Diop. Il y avait un danger dans la surface de réparation de Goréen. Ousmane Mané qui joue pour Ousmane Diouf pour Vieux Fati pour Ousmane Diouf qui retourne en arrière pour son gardien. Il y avait un pressing en haut pour les Goréens. Ils ont mis le bloc haut hein, pour empêcher, comme nous l'avons fait en première mi-temps. Hein. Ils mettent le bloc haut pour empêcher aujourd'hui Casport de remonter la balle. Mais quand ils le font quand même de manière intelligente, de faire tourner la balle à partir de la défense, c'est important aussi. Il ne faut pas se précipiter. On joue, voilà, on dépasse la médiane tranquillement. Gando pour Ali Diata, Ali pour Gando. Il y a le tag. Un costaud dans la défense des insulaires. Il s'agit de Conné, très dur sur l'homme. Conné, il reste rien. C'est un bon défenseur, expérimenté. Ousmane Diouf qui joue pour Vieux Fati. Pour Père Benoît Manga. Pour Vieux Fati. Ousmane Diouf. Pour Pierre Zalé. Pierre Zalé pour Ali Diata. Contre favorable, Ali Diata. Ali Diata pour Ousmane Diouf, pour Gando. Pour Mankabou. Mankabou pour Siaka Sané. Contrôle Siaka, mais qui est pied vers la balle. Siaka pour Vieux Fati. Pour Vieux Fati. Tête de Conné. Récupéré par Ndiaw Diop. Pour Omar Cissé. Touche pour le Casport. Non, c'est pas encore sorti. Récupéré par Ousmane Mané qui joue pour Ousmane Diouf. Le Casper commence à changer de visage, Moussandaou. Pour essayer de trouver quelque chose en ce début de seconde période. Vieux Fati. Pour qui? Pour Siaka Sané face à Baboukar Seck. Siaka Sané. Touche pour Siaka Sané. Wow. Siaka Sané, faute de Siaka Sané sur Baboukar Seck. Dégagement d'abord pour trouver. Qui perd par Père Benoît Manga. Qui obtient la faute. C'est joué très rapidement
Bélan Mankabo qui joue avec Aliye Diatta. Aliye. Aliye Diatta qui essaie de trouver Abou Seydi. Tête de Konen. Konen pour Tafa Diouf. Tafa Diouf pour Mbeng. Mbeng pour Bokande. Pour Ousmane Beng. Bokande. Ousmane Beng. Pour trouver pour Mbaye. Corner pour Jean-Rémy Bokande. Moussa, Lyon Sport qui a beaucoup plus de corner que le Cas Sport. Ouais, c'est ça l'air parce que si c'est bien à Sidat Sarr Indy là, Sidat sait que le Cas a joué au ballon. Donc, il nous permet d'élaborer. Raison pour laquelle nous avons bloc haut, à partir de des fois bloc médian. Donc, nous avons joué au bloc bas, haut ou le médian. Donc, pour empêcher le Cas Sport de développer son jeu afin de créer des problèmes. Maintenant, on va voir avec le Cas Sport de remonter la balle. J'espère que ça va produire quelque chose. Mauvais dégagement d'Ousmane Mané. C'est une touche pour Babacar, pour Ousmane Beng. Ousmane Beng qui laisse Tafa Diouf jouer la balle. Moussa, je vous l'avais dit en début de première période que les deux entraîneurs se connaissent bien, car c'est deux frères. Tafa Diouf pour Jean-Rémy Bokande. Jean-Rémy Bokande qui joue pour Mortalanger. Mortalanger. Dégagement. De Pierre Bonaventure de Mankabo. C'est pas encore sorti. Pour Siaka Sané. Non, mauvais. Siaka Sané. C'est pas encore sorti. Encore. Mortalanger, le petit Mortalanger. Mort. Mortalanger. Pas pour l'instant, pour Ousmane Diouf. Qui joue pour son gardien. Dégagement de Ousmane Mané. Abdou Seydi. Faute sur Abdou Seydi. Faute de Cheikh Konek. Qui commet beaucoup de fautes sur Abdou Seydi. Cheikh Konek qui commet beaucoup de fautes sur Abdou Seydi. Ousmane Diouf qui va jouer très rapidement la faute. Ousmane Diouf qui essaie de trouver quelqu'un. Ousmane Diouf. Il joue avec Bonaventure Mankabo. Mankabo qui joue pour Perzalé. Pézalé. Frappe de Pézalé juste au-dessus. C'est tour de douleur. Blessure de Ousmane Mané. Blessure de gage de Ousmane Mané. Il va être remplacé par Alim Bazafati Yoy Moussa. Ouais. Ousmane, depuis le début, on sait qu'il a blessé. Hein. Moi, je crois qu'il était même préférable de ne pas le mettre dans les buts hein, depuis le début du match. Bon, maintenant, ils ont leur raison. Hein. De toute façon, comme Amna Koua remplacé, c'est pas mal. Donc, on continue, espérons que ça ne va pas peser sur l'équipe, mais on est sûr que Yoy, il va... Yoy, qui va jouer son premier match Ligue 1, son premier match ici. Ousmane Mané qui se tord de douleur. Peut-être il s'est blessé sur l'action du but. Peut-être il s'est blessé sur l'action du but. Même ma gueule dit entre les gardiens dans le système. Ousmane, le moyen problème. Mais espérons que nous avons blessé pour grave. Pedro Fati Yoy, l'ancien gardien de vidéo U20 du Cas Sport. Ousmane Mané, en ce moment, Métis. Ousmane Mané, il s'est battu à tous les occasions. Sorti de Ousmane Mané, qui va serrer la main à son petit frère, à son deuxième gardien. Il s'agit de Ali Magra Fati Yoy. Ali Magra Fati Yoy. Il a toute la forme de bon gardien. Effectivement. Il a la taille. Entre le Cas Sport et l'Union Sportive de Yogoré. Un gardien prometteur comme ça. Il a joué au fair play. Voilà. Deux fois meilleur gardien de U20 du Coupe en Coupe du Sénégal, Alim Badra Fati, qui va jouer son premier match.
également Pierre Zalé. Pierre Zalé qui joue pour personne récupéré par Ousmane Beng. Ousmane Beng. Ousmane Beng. Arrangé pour Mortal Enger. Arrangé pour son premier ballon. Rassemblez, c'est le premier ballon. Mortal Enger. Mauvais Andan. André Yoy et Vieux Fadi. De Gaulle. André Ayoum Batra Fadi Yoy. André Alim Badra Fati Vieux Fati de Gognou Mortal Enger a failli trouver redonner l'avantage à l'Union sortie de Gorée, mais plus de peur que de mal, plus de peur que de mal. Dégagement de Yoy, tête de Abissédi, tête de Abissédi. L'arbitre ne dit rien. Retrouvé par Gando Ba, Gando pour Djingali. Djingali, faute de Djingali. Djingali qui a commis la faute. Djingali qui a commis la faute. Djingali qui a commis la faute. Dégagement de Koné. Faute de Omar Cissé sur bon Omar Mankabou. Faute de Omar Cissé sur bon Omar Mankabou. Ça joue très bien du côté de Kasper. Ali Yata qui joue avec son gardien. Ali Badra Fati Yoy. Dégagement de Yoy. Il faut comprendre, c'est son premier match en prédiction. Il faut comprendre, tout joue très rapidement par Babacar Seck. Babacar Seck. Un joueur très offensif. Mortal Enger, pas pour longtemps. Récupéré par Siaka Sané. Siaka Sané. Siaka Sané. Siaka Sané. Siaka Sané pour Abissédi. Abissédi, Abissédi avec Abdoulaye Diakham. Abissédi avec Abdoulaye Diakham. Abdoulaye Diakham qui joue pour son gardien. Un bon marquage de Gandoba. Dégagement récupéré par Pierre Zalé. Pierre Zalé. Dégagement de Pierre Zalé qui obtient la faute. Pierre Zalé qui obtient la faute. Pierre Zalé qui obtient la faute. Banamatir Mankabou qui va jouer très rapidement. Il joue avec Ousmane Diouf. Ousmane Diouf. Ousmane Diouf. Ousmane Diouf. Qui remonte la balle. Ousmane Diouf. Pour Gandoba. Gandoba. Bien suivi par Tafa Diouf. Bien suivi par Tafa Diouf. Un bon marquage de Tafa Diouf. Allez, Yata qui joue avec Abissédi. Abissédi qui perd la balle. Abissédi qui perd la balle. Récupère par Pierre Zalé. Pierre Zalé qui joue pour son gardien. Yoy. Yoy qui joue pour Ali Diata. 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 Voilà pour Ray Bokandé. Centre de Ray Bokandé. Dégagement de Pierre Zalé. Récupéré par Ali Diata. Ali pas pour longtemps. Tafa Diouf. Dans la moitié de terrain du Casper. Pour Ousmane Beng. Ousmane. Ousmane Beng. Pour Ndiaw Diop. Ndiaw Diop. Voilà pour Mbaye. Faute de Mbaye. Faute de Mbaye. Faute de Mbaye. Il faut que Diaw Diop autant pour moi. Je vais dire que chaque fois Diaw Diop avec Mbaye, Moussa. Ouais, c'est que tu es un minou, c'est quoi. Mais c'est Diaw Diop, hein. C'est Diaw Diop, Diaw Diop, Diaw Diop. Donc, moi, je suis le numéro 2 au Gorée. Ousmane, pour les gars, ils ont joué le premier match, ils ont joué. Hein? Donc, Badara Fatou, il faut que les gars comprennent. Sur la première action, il voulait marquer son territoire. Malheureusement, manque de communication, moi, Véronne. Mais je crois qu'il y a plus de peur que de mal parce que Mortal Enger a gagné la balle. Mais je crois qu'il va se ressaisir pour que vraiment nous offrir une prestation de haut niveau pour la match de Béja, Inch'Allah. Inch'Allah, je sais que nous allons retrouver ce match. Après le match, nous allons mener à domicile. Comme vous savez, c'est à domicile. Le match de Yombo. Mankabou qui joue avec Djingali. Djingali. Djingali pour Siaka Sané. Siaka Sané qui est très bon sur ses actions. C'est son problème. C'est son problème. Il a chaque fois il a ce genre de problème ça. Il a une belle bien faire. Il va y avoir quoi. À tout moment, on a réglé l'affaire, mais espérons qu'on dira joxe dara. Lamine Sarr. Dégagement de Lamine Sarr. Bon dégagement de Lamine Sarr. Tête de Ousmane Beng. Ousmane Diouf qui dégage en tête. Récupéré par Bokandé. Bokandé. Bokandé pour Mbaye,
pour Tafa Diouf pour Kone qui joue Djaham. Dégagement de Djaham. Directement dans les bras du gardien. Alim Badra Fati. Alim Badra Fati qui joue pour Pierre Zalé. Dégagement de Alim Badra Fati. Alim Badra Fati, tête de Djingali. Djingali, dame de Balim Khodour. Siaka Sané. Touche pour Siaka Sané. C'est central gore bi dañuy mbeuké duñu djingali mo djël nañ ay couy doy war mais ñi ngay muñ ñala football fo ngor la leur jeu a repris ici au stade Aliou Diata avec Ousmane Diouf pour Siaka Sané. Siaka qui joue pour Vie Fati qui a joué simple mo tax jeune bu gëna simple Babacar Sek qui joue pour Mortal Gers. Babacar Sek. Dégagement de Ali Diata pour Lamine Sarr. Attention Lamine Sarr qui a mélangé les pédales. Ousmane Diouf qui récupère la balle. Ousmane Diouf qui joue pour Djingali qui perd la balle. Dans ce qui essaie de lober le gardien. Non, c'est Ousmane Beng. Pierre Zalé qui joue pour Ali Diata. Ali Sandra Ali Diata pour trouver qui Djingali. Au jeu, l'arbitre dit c'est une. 23 minutes en seconde période et toujours un but partout. Du changer. Nakhante rek but bi timine comme ni bi di ñëw won erreur lay doon rek but yi duggu. Kasso di ngi jëm mais tactique de jeu bu ko rété mo xañ wa Kasso am sa occasion bu xaw France mais wa Kasso ni ko jëm rek la. Boko sé qui joue Omar Cissé. Touche pour le Kasso Vie Fati. Vie Fati qui joue avec Bonaventure Mankabou pour Vie Fati. Dégagement de Ousmane Diouf, c'est une touche. C'est sorti par Siaka. C'est sorti par Siaka. Djingali qui joue pour Mankabou. Mankabou qui obtient la faute. Ousmane Diouf qui joue avec Vie Fati. Qui essaie de trouver Abou Seydi au lieu de la face. Directement dans les bras du gardien Lamine Sarr. Jean-Rémy Bokandé qui perd la balle, trouvé par Pierre Zalé. Gandoba, qu'on n'a pas beaucoup bien à la seconde période. Gandoba qui laisse l'avantage. Gando qui joue pour Abou Seydi qui joue pour Siakassane. Siakassane. C'est sorti par le gardien Lamine Sarr. Moussa Abdou a bien joué le coup. Moussa Siaka a failli trouver le sort, donner l'avantage au Kasspor, mais Lamine Sarr était l'âme. Man Souaron Siaka, duma centré. Damay figé goal au premier poteau. Cristiano Ronaldo. Damay figé au premier poteau, balle bi day dugg. Mais il voulait bien jouer, il a fait preuve d'altruisme. Malheureusement, ça ne nous a pas souri, mais dina ñew. Sarr de Gandoba. Tête de Mankabou. Malik Fall qui va prendre la place de Lassana Djingali.
Malifal qui va prendre la place du buteur, l'ancien de Djingali. Poste par poste. L'ancien de Djingali. Qui sort à la remplacé par Malik Fall. Toujours un but partout. L'émissaire. L'émissaire qui dégage. L'émissaire qui dégage. Tête d'Ali Diata. Trouvé par Mbaye. Malik Fall. Malik Fall. Malik Fall. Malik Fall qui essaie de trouver Siaka. Siaka qui permet avec Gandoba. L'arbitre ne dit rien, il se retrouve avec Ousmane Diouf. Ousmane pour Gando. Gando pour Fatih. Fatih qui joue pour Pierre Benoît. Pierre Benoît devant 4 joueurs Goréen. Faute pour Pierre Benoît. Faute pour Pierre Benoît. Et c'est une faute pour Pierre Benoît. C'est une faute pour Pierre Benoît. Couvrage jeté rapidement. Avec Gandoba. Qu'est-ce que tu trouves? Non. La défense goréenne est très bon. Le jeu de tête. C'est trop bon. Moi je crois que la solution, c'est de jouer dans les intervalles. Balle souffle, de jouer dans les intervalles pour déséquilibrer les quoi. Mais je crois que balle moune, la solution moune n'y a pas de. L'ancien capitaine de U20 du Sénégal, Roger Gomis, qui va préparer son entrée. Okay. Il était parti en Ukraine et il est revenu. Mm-hmm. Il est revenu pour se relancer. Okay, il était blessé. Je crois qu'il est revenu d'un commun accord avec son club. Effectivement. Pour se soigner et se préparer au Sénégal et retourner. Quoi. Et pourquoi pas? On lui souhaite un prompt rétablissement et puis nous délouer ça. Effectivement. Oh, Malik Fall qui n'a pas suivi Abou Seydi. Quand tu bats à Merna. Merna trop. Malik Fall doit te rouler le balbi. Gando ba. Qui est toujours Abou Seydi. Gando ba. Où est-ce que c'est? L'arbitre dit au jeu. Il y a une autre infiltration. Intervalle 3, il m'a fait du goût, mais bof, coach, il a ses raisons. On verra quoi. Nous avons 75 minutes de jeu. Toujours un but pour entre le Casport et le Sport de Gogore. On se dirige vers un match nul, Moussa. Non, on ne va pas aller vers un match nul, Ousmane. Batchibi du nul. Peut-être il y a un hold-up du côté des insulaires. Ah, ou bien. Hold-up de part et d'autre, mon âme. Hold-up de part et d'autre, mon âme. Waouh, hold-up, mon âme, de part et d'autre. Il y a quelques minutes le Casport, il y a un match. Waouh, technique est en forum. Mink est en forum. Maintenant, est-ce que ça va leur tirer, ça va leur être bénéfique? On verra, de façon... Abou Seydi, Abou Seydi, qui a mal négocié la balle, Abou Seydi. Abou Seydi, c'est une erreur de connaître Abou Seydi, a mal négocié la balle. On a le but de l'erreur, il est à même. Effectivement. Et puis, Abou Seydi, fais comme ça, je sais que c'est bon. Tête d'Ousmane Diouf. Vieux Fatih. Pour Pierre Benoît. Face à Pierre Benoît. Pour Abou Seydi. Abou Seydi. Mal négocié Abou Seydi. Malik Abou Seydi. Ousmane Beng. Ousmane Beng, d'abord son nom. Ah! Quel est l'arbitre? Couvrant pour les insulaires, centre de Meng, directement dans les bras du gardien, le maître Fatih, relance à le maître Fatih qui joue pour Abou Seydi. Abou Seydi, Abou Seydi, Abou Seydi, Abou Seydi qui joue pour Ali Diata, Ali Diata, Ali Diata. Bon, pour bien prendre le Mangabou, Mangabou, frappe de Mangabou! À côté. Abahoul, Bahoul, Bahoul, Bahoul. Il ne mérite pas d'être. Dégagement
du gardien qui va bientôt dégager, Lamine Sarr, qui temporise. Lamine Sarr qui temporise. Dégagement de Lamine Sarr. Tête de Omar Cissé. Directement, contrôlé par Alim Badra Fati. Alim Badra Fati. Qui joue avec Ousmane Diouf pour Siaka. Siaka qui joue avec Vieux Fati. Pour Aliye Diatta. Pour l'international gambien Aliye Diatta. Aliye pour Amadou Gandoba. Gandoba. Mauvais contrôle. Et c'est une sortie de but. Ça commence à faire sombre. Le gars est à lampe. Tête de Vieux Fati. C'est une touche pour les insulaires. Les Goréens qui jouent le match nul, Moussa. Les essais qui jouent le match nul. Ballon pour l'intérieur gauche, Bakar Sek. Récupéré par Mankabou. Dégagement de Mankabou. Pour Roger Gomis qui joue pour Tafa Diouf. Mortal en guerre. Roger Gomis qui perd la balle. Récupéré par Malik Fall pour Gandoba. Malik n'a pas suivi. Récupéré par Mortal en guerre. Sur le côté droit, il est très dangereux ce jeune homme. Mortal en guerre. Un petit point, Mortal en guerre. Récupéré par le gardien. Ali Medafari qui joue pour Pierre Bonamanga. Gando qui fait un très bon match cet après-midi. Amadou Gandoba. Gando encore. Pour Bonaventure Mankabou qui joue avec Gando. Mankabou pour Abdou Seydi qui trouve. L'arbitre. Babacar Seck qui a bien joué. Bougnou Rassé tiré Mounounji Dara, balle du délusuat. Donc s'il pense que c'est un enjeu à bof, on l'accepte, nous jouons. De toute façon, ce que je peux faire, c'est que je connais des équipes qui ont découvert pour moi. Donc le cas sport essaie de poser son jeu en deuxième mi-temps, on a eu le mais ba légui liñ doon xaar par rapport aux prestations yi passé gissaguñ ko quoi, peut-être aussi liko waral mom moy changement yi, mais comme ni mako waxé won rek du lay mais yalla baxna. Nous jouons dans les 10 dernières minutes, 9 minutes maintenant. Ce sera Alain Diarra coup franc pour Goré. Jean-Rémy Bokandé qui joue pour Djaham, non pas pour longtemps, tête de Aliye Diatta. Ousmane Beng qui récupère la balle. Ousmane Beng pour Mbaye pour Jean-Rémy Bokandé qui joue avec Babacar Seck. Sandré Babacar Seck récupéré par Ousmane Diouf qui joue pour Alim Badraf. Vieux Fati récupéré par Mbaye pour Ousmane Beng. Ousmane, un peu pied gauche. Ousmane, attention, Omar Cissé. Belle sortie du gardien. Ali Badra Fati, qui anticipe. Oh, le Casper a échappé. Aïe chaud. Mais c'est le football, hein. Le Lugnac. Mais gars, si nous avons un bail, il y a un guinao. Le mandel balle, il y a un fait de guinao. Verron aussi, moment où il passe, il n'avait pas remarqué que. Capitaine Wan Noko Ginao, Adjal Balbi, c'est vrai, coach a raison, Adjal Balbi. Coach a raison. Adjal Balbi Mogonon, waouh, Richard Sagna qui prépare son entrée. Il va remplacer Gandoba. Gandoba qui a fait un très bon match cet après-midi. Richard qui va remplacer Gandoba. Et toujours un but partout ici au Stade Aliou Diatta. Entre le Casper et le Sport de Goré. Touche pour Tafa Diouf pour Ousmane Beng. GG. Faute. Allez, qui obtient la faute.
Ali Badra Fati mo ñu dégager non Ali Badra Fati mo ñu dégager non dégagement de Ali Badra Fati tête de Richard Pape Seri Pape Lantan dégagement de la défense attention Terry récupéré par Pierre Benoît Manga pour Richard c'est une touche pour le Casport. C'est une touche pour le Casport. Allez, Yata. Mankabou. Qui perd la balle. Oh, Rajon. Swan Beng. Jarin Bokande. Swan Beng. Belle sortie du gardien. L'arbitre qui laisse. Sassagna pour Malik Fall. Malik. Oh! Mal joué par Malik Fall. Ousmane Beng pour Mbaye qui récupère par Pierre Bonamanga. Pas pour longtemps. Babacar Sek. Babacar Sek pour Roger Gomis. Roger Gomis qui joue pour Morta Lenguer. Morta Lenguer qui obtient la faute. Troisième et dernier changement des insulaires. Changé du numéro 6. C'est Samba Toukouleur Sek. Tu me connais de voir ça. Ah, Toukouleur là. On va Samba Sek. Corner pour Goré. L'arbitre du Ménago. L'arbitre n'a pas sorti de but, mais corner là. Il faut laisser l'arbitre tranquille. Je ne sais pas, mais je vais le comprendre. Il est déjoum. Ça m'a arrêté, je n'ai pas l'habitude de les critiquer. C'est Mbaye qui va sortir. Non, Mbaye. Ousmane. Je suis là. 4 minutes et les dés ne sont pas encore jetés. Hein. Ce qu'on peut retenir globalement de ce match, c'est qu'on a été quand même en deçà de notre valeur. Le Casport a joué en deçà de sa valeur. Effectivement, c'est ça aussi. Dégagement d'Alim Badra Fati. Tête de Babacar Sek. C'est une touche pour le Casport. Voilà, donc touche pour le Casport. Ballon Ousmane Diouf. Il remonte le ballon. Il y va, il remonte le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il donne à vieux Fatih Véron. Véron qui prend son couloir, qui joue avec Siaka. Siaka passe à l'expérimenté Babacar Beng. Siaka au. Oh. Sport avec Ali Badra Fatih. Ali Badra Fatih pour Malik Fall. Malik Fall. Corner pour Malik Fall. Zassagna. Ah! Fort. Faut de Morta Lenguer à l'entrée de la semaine de Casport. Il y a bel et bien faute. Deux minutes encore dans le traditionnel. Deux minutes encore dans le temps réglementaire. Pour Franck. Bon, c'est Mankabou. Se bouscule avec Ablaye Jahan. Rodri Mankabou qui se bouscule avec Ablaye Jahan. Allez, Yata qui vient marquer un coup franc en milieu de semaine en coupe. Allez, Yata qui passe de là. Allez, Yata, oh, le dégagement. C'est pas encore fini. Dégagement de Djaham.
tête de Pierre Benoît. Encore, Bébote Mankabou. Papuranta, Rosso Gomis, qui joue avec Mortal Anger. Attention, sur le côté droit. Omar Cissé, face à Omar Cissé. Mauvais contrôle de Omar Cissé. Mauvais contrôle de la part de la Candidat Sport, Omar Cissé. On joue dans les très vite. L'arbitre n'a pas encore de l'état additionnel. L'arbitre n'a pas encore de l'état additionnel. Richard Sagnard, Richard qui obtient la faute, les avantages. Richard qui obtient la faute. L'arbitre n'a pas encore donné le temps additionnel. Koufran, Serge Sané, qui centre tête de Koné. Dégagé par Jean-Rémy Boukandé. Pas pour longtemps, récupéré par tête de Pierre Benoît. Pierre Benoît, Ousmane Diouf. Ousmane Diouf, Abdoussédi. Abdoussédi, le frappe d'Abdoussédi. Le missaire. Le gardien de l'Ouest qui couche. Effectivement, le gardien est à terre, le gardien de l'Union Sportive Logoré est à terre. Le gardien de l'Union Sportive Logoré est à terre. Balassar, qui se plaint à côté de l'arbitre, le côté arbitre, Mansala Siyassane. C'est une touche. Touche pour les insulaires. Babacar Sek. Il prend tout son temps. Il sait que le match est terminé. Il va casser le rythme. Babacar Sek, qu'est-ce qu'il va faire? Babacar Sek, il va jouer une longue touche. Ballon pour Roger Gomis. Pour Omar Cissé, pas pour longtemps. Récupéré par Mankabou. Pour Malik Fall. Malik Fall. Ballon sorti en touche par la défense coréenne. Ousmane Diouf pour Perzalé pour Ali Diata pour Richard. Et c'est une touche pour Koné. Non, pas pour l'instant, dégagez. Mankabou. Faute de numéro 6. Samba Touglo Sek, pied levé sur Pierre Benoît Mankabou. Très mal joué. Ousmane Diouf. Zalé. Et c'est fini, ici au stade Anissa Diata, pour le compte de la 14e journée, un but partout entre le Casport et l'Union Sport de Goré. On se rappelle l'ouverture du score à la 34e minute par l'Anzani Ali, égalisation des ingénieurs à la 39e minute par Omar Cissé, ici au stade Anissa Diata, un but partout, les deux équipes se partagent les points. Merci beaucoup.